Anticosé, m'allez profiter pour moi saluer tout le monde qui a regardé l'émission là pour encourager eux de ouvrir la Bible, étudier dans l'esprit de prier. Anticosé, c'est une émission et qui a fait nous réfléchir, étudier, prier et puis mettre la vie nous en règle et puis bon Dieu. C'est toujours un plaisir puisque nous on dit dans un livre qui est important, qui est un chai symbole, un chai image. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir Gratien. Gratien, bienvenue dans le plateau. Hein? Merci pour l'accueil. Je vais profiter de l'occasion pour moi saluer tout le monde, tout le monde en Livon la Terre qui a regardé l'émission, qui a ouvert la parole là. Je vais profiter aussi pour moi encourager les techniciens, c'est Maman et Plateau, la direction, l'union, la fédération. Et nous avons prié mon Dieu pour nous persévérer, pour nous porter le dernier message là, que Jésus vienne et vienne vite. Oui, merci Gratien, nous savons bien, c'est toujours un privilège et nous allons prier pour mon Dieu toujours pour la santé, béni famille ou pour peut continuer et puis partager parole bon Dieu. Nous si maintenant qui passé à un ennemi qui s'appelle combat. Ah ça si. Un ennemi vaincu. Ah si. Nous t'ai parlé de femme blanc et puis dragon, nous t'ai parlé de Satan qui précipité à sous la terre, nous est la Dieu levé à sous la terre, il trompé et puis couillonner les premiers parents. Ensuite, nous est il parti puis fait la Dieu contre Antiresse. Et puis nous est stratégie Satan pour la fin des temps. Mais bien sûr. Je dis à nous qu'a parler dit Satan et puis en coalition les alliés. Donc avant de commencer, nous allons de prier et puis nous allons commencer. Papa Dieu, vraiment, nous avons remercié pour le privilège là, pour nous ça ouvert parole, pour nous ça comprendre par l'Esprit Saint, ça ou le dit nous. Nous avons un livre qui est difficile pour le monde, l'Apocalypse, la Révélation. Mais s'il vous plaît, à rien pas mystérieux et puis l'Esprit, parce que l'Esprit a sondé profondeur Dieu. Au s'il vous plaît, bon matin, nous commandons. Accordez-nous l'Esprit Saint pour nous aborder réflexion dans le sens où les pour tout le monde comprendre et ça comprendre ça qui fait volonté, aimer et puis être sauvé. Nous remercions en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Satan avec les alliés. Texte là, nous te pour méditer en là, durant toute méditation. C'est Apocalypse 12, verset 17. Oui. Alors, Adam Sergon, il a dit dragon, le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Oui, en colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Et pour qui n'y témoignent Jésus et puis qui n'y foi. Oui. Avant de me poser la première question, nous savons que Apocalypse 12 a décrit les attaques de Satan et il perpétuait contre le peuple bon Dieu et puis menait une grande persécution par l'homme païen. Et nous comprenons que Apocalypse 13 à présent a parlé des détails des attaques Satan au cours de l'histoire chrétienne. Yes, Gratien, dragon, puisque c'est ça, il est en colère et la femme. C'est qui ça? Alors, nous a expliqué cela. Nous, là, nous prenons l'histoire chapitre 12, là, nous expliquons le symbole de la femme dans la Bible. Surtout dans la prophétie, la femme qui a symbolisé en église. Peuple bon Dieu. Ouais. Donc, il y a la femme qui pure, mais il y a la femme aussi qui prostituée. Une femme prostituée, hein, qui a symbolisé en église qui virait deux bas bon Dieu, qui tournait deux bas bon Dieu, hein, et puis qui paniquait, mais ni ténèbres. En église qui pue, nous, que c'est en église qui vêtue de blanc. Ça veut dire la justice de Christ, hein, il n'y a qu'une 12 étoiles dans la tête, les fondations des apôtres. Maintenant, donc, il n'y a la ligne en bas pied, ça veut dire toute révélation. L'Ancien Testament est-il bon Dieu, m'a dit peuple fait pour préparer quoi et puis te recevoir Jésus, il a été venu pour la première fois. D'accord. Et c'est l'église là, qui diable a parlé, dragon a parlé, et il est détruit.
Surtout une caractéristique, nous reviendrons ça plus tard encore. Oui, alors, nous on dit dans l'Apocalypse, il y a un lobette. Mais attention, nous, particulièrement à sous un bête qui a monté dit l'Améa. Ouchi, dit l'Améa, et ça qui bête là. Bon, alors, pour nous comprendre, nous allons lire l'Apocalypse 12, 18. Là, il dit, et quand il fait. Oui, qui a irrité contre la femme, contre fait la Dieu, postérité, reste à garder commandement bon Dieu, puis témoigne à Jésus. Verset 18 là dit nous, hein, un dragon, il te bécoy, il était assis en laisse sable en mer. Pouchi. Pouchi. Donc, nous te là, dépend de dragon. Oui. Nous te dit que dragon, c'est Satan. Oui. Mais nous, moi aussi, que dragon, Satan, pas jamais qu'à manifester quoi ça il agit par personne interposée. Ça veut dire que il a couillonné moun et puis mettez moun à service pour réaliser volonté. Donc parfois il a utilisé puissance là qui au pouvoir là, exactement. Mais c'est lui qui a baillé, c'est lui qui a poussé du fédéral. C'est exactement même manière qu'on masque quand il en est donné, il parlait à d'un serpent pour couillonner moun. Alors donc nous quoi, verset 13, chapitre 13 verset 1er. Je vis monter de la terre, de la mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme les ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et tous les habitants de la terre étaient en admiration derrière la bête. On est là. Là, il y a tellement de bagailles pour tellement nous. Tellement condensé. Pour nous parler là, à un moment. Mais oui. Oui. Alors, ici, à là, nous, on est que Betta, là, il y a, il a sorti. Il a sorti. En Améa. De la mer. Il a sorti dans la mer. Pour en Améa, c'est qui ça? Nous expliquer. Là, l'Apocalypse a parlé de grandes eaux, des eaux de la mer. Maintenant, ça, c'est des foules, des peuples. Bête là, t'as sorti, on dit dans foule là, on dit dans des peuples. Oui. C'est là qu'il a sorti. Très bien. Puccini, dicon, c'est conta, qu'a signifié qui ça? Diconta là, ini là, c'est conta là, qu'a signifié le 10 royaumes qui a sorti ici du 4e royaume universel là. Pour vérité, ou quoi, ouais, que bête là, semblable à un léopard. Léopard, hein, léopard là, nous, ouais, c'est 3e royaume là, Alexandre le Grand. Donc il n'y a qui ça il dit ni pied de nous. Il n'y a pied de nous. Ou l'ours, maintenant, qu'a symbolisé l'ours, c'est le maître de l'épée. C'est 2e royaume universel là. Maintenant, il n'y a pas lion. Lion qu'a symbolisé premier empire universel qui met là sur la terre. Ça veut dire que Adam, Bête là, nous avons trouvé des mouns qui étaient Adam. Premier. Lion, l'ours là. Et léopard là, et puis nous avons les jambes de fer maintenant, et puis les pieds partis d'argile. Donc ça veut dire que nous avons reconnaître les 4 royaumes universels là, moun, 4 royaumes là, Adam, bête là, extraordinaire. Mais, et nous parlons de bête comme ça. Mais ça, nous avons là, nous avons que et Jean pas qu'à présenter. Et le royaume là en ordre. Non. Il n'a pas commencé par Babylone, mais il a commencé après Rome, qui a monté, etc. C'est pour montrer que, sous véritablement, puisque le 4e là qui est derrière là, donc il a pris sous Adam tout là, en ascendant, en ordre décroissant, léopard, l'ours, et puis lion. Alors, essayez, nous les comprendre, puisque allez-y. Nous savons que le livre la technique. Il a dit au verset 2, Apocalypse 13, et la bête que je vis était semblable à un léopard. C'est pas un léopard, mais semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule, la gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Très bien. Une grande autorité. Eh bien voilà, dragon même kabaï. Puissance lui. Il a baillé trois nids, et puis il a baillé une grande autorité. Ça, c'est important et ça capital. Parce que nous, premièrement, le dragon a symbolisé Satan, mais il a symbolisé aussi l'empire païen romain. Oui, c'est question là, moi, qui posé, nous parlons de bête là, oui. L'empire païen romain. Alors, qui sont capillés l'empire païen romain? L'empire païen romain, c'est Rome, maintenant, païenne, qui était pendant 8 siècles la maîtresse du monde. C'était le
quatrième royaume universel. Bible a dit, après ça, pas qu'à ni un cinquième royaume universel. Si pour nous un cinquième royaume universel, c'est le royaume du Fils de Dieu qui a venu symbolisé par la pierre. D'accord. D'accord. Donc, et ces orteils-là qui a de là, c'est les 10 orteils-là, c'est eux qui désagrégent, déstabilisent l'Empire romain maintenant, et puis qui fait que, quand on sorti de l'Empire païen, maintenant pour venir en conne religieuse, en aspect religieux, et que lui qui a fait des gars, c'est ça nous voyons là. Oui, alors là nous avons et bête là, il y a un aspect de chaque ces royaumes là qui passe avant, chaque ces bêtes là, ça a montré que même leur gain là, mais on a parti, on a conservé, par des théraphimes, des idoles, des idées, des fausses croyances, des religions. De religion, alors que nous avons besoin de religion. Et nous, le paganisme véhicule tout ça à travers de ce royaume-là. Exactement, exactement. Et alors donc, maintenant, et ce qui fait ironie de ça, c'est que Conan, qui a vu une grande puissance religieuse-là, qui a christianisé toutes ces croyances-là. Il a officialisé, christianisé ces croyances-là. D'accord. Là, à présent, là, qui activité Betala qui a monté dit la mère, sans bête qui est actif quand même. Oui, il est actif. Il a fait propagande, nous qu'a lit. Maintenant, au verset 4, au verset 3, maintenant, il, puisqu'il recevra puissance, autorité et puis trône du dragon, maintenant, il a montré prestige. Et puis, mais au verset 3, nous qu'a lit que j'ai vu l'une des têtes blessées à mort, mais la blessure mortelle fut guérite et tous les habitants de la terre étaient en admiration. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné de l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Bon, pour moi, alors, qui savait aussi toi là qui a représenté ici la bête là qui recevait en coup mortel? Ouais. Alors donc, maintenant, donc bête là, c'est Conan qui poussait. Et qui Daniel dit nous, quand elle a poussé en milieu, mais il tenait des yeux, et puis il tenait en bouche, et puis il était capable de parler, et puis arrogance. Donc pour nous comprendre bien, tenait 10 cornes, et puis c'est en mi-temps 10 cornes. En mi-temps 10 cornes, il y a trois qui arrachaient, et puis ils ont sorti. Et puis sorti, mais quand elle a sorti différent, ce n'est pas un pouvoir politique qu'il a. D'accord. Alors, Kontalaka signifie qui ça? Kontalaka signifie en puissance religieuse qui n'est croyance de religion. Mais puis ici, voit autorité de la Rome païenne et du dragon, maintenant, parce que maintenant, l'Empire romain désagrégé, c'est lui qui prend le pouvoir là. Mais, donc. Alors, qui mène à y faire ressouvrir en blessure mortelle? Donc, qui mène à sa fête et à quel moment? Eh bien, donc, mais nous, il y a dans le chapitre 12 là, que. Dragon Tala persécuté les fidèles enfants de Dieu pendant 1260 années, c'est-à-dire 42 mois, un temps, deux temps, la moitié d'un temps. C'est la grande persécution. 42 multiplié par 30, il y a 1260 années en tunnel obscur et type de plan d'activité. Qui ça y fait? Jeter la vérité à terre. Nous lisons ça de Daniel chapitre 7. Il foulait ça au pied. Il foulait la vérité au pied. Il espérait changer le temps et la loi. Daniel 7, verset 25. Donc, il tenait une grande activité dans l'homme. Alors, l'on a dit il espérait changer le temps et la loi. Ou quoi faire référence à qui ça? Alors, nous allons toucher ça plus tard. Nous allons faire référence à deux commandements. Et auquel il est saboté. C'est le deuxième commandement pour pas ni image taillée. Et puis quatrième commandement, l'observation du saint sabbat donné par Dieu. Nous allons expliquer ce auditeur, ce téléspectateur. Ça, là, nous arrivons le chapitre 14 là. Mais ici, il y a, nous voyons que bon Dieu voyait un homme et puis il dit, tu n'es là maintenant, faut les chrétiens, what il brûle clair. 1260 l'année, ténèbres, ça n'y a assez. Alors que les voyants, Général Berthier, Napoléon voyait Général Berthier. Mais ça, on va dire extraordinaire, ça veut dire que l'on prend l'histoire ou aller dans la Bible, la prophétie, ou quand on voit que la force qui a fait partie de la prophétie biblique. Mais oui, qui a fait partie de la prophétie biblique, c'est témoin du monde où on ça, les 10 diadèmes, les têtes, c'est les 10, les 10 cornes, les royaumes, maintenant, qui a symbolisé les 10 nations européennes. Alors à l'époque, il tenait les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, les Lombards, les Astrodons, etc. Les Anglo-Saxons. Et puissance là, maintenant, rachète 3 cornes. Il exterminait les Ariens, il exterminait tout ce monde qui a tenu des croyances différentes. Il n'y a pas de croire en Jésus-Christ.
D'accord? Mm-hmm. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme divino humain. Il fallait exterminer ces mondes-là. Et puis ensuite, maintenant, oui. Là, le général Berthier, vini, il prend pape là, et puis il mène à Valence. Mais quand il y a une date précise là, le 20 février 1798, puis 6 morts à Valence. Mm-hmm. Napoléon fait consister toutes les terres et tous les bâtiments de la papauté, c'est-à-dire de la puissance religieuse de l'époque. Mm-hmm. Maintenant, et là, il y a pas de terre. Ils pètent terre, ils descendent sous le boisseau. Alors, à ce moment-là, donc, la persécution, ils pètent puissance. Ils pètent autorité, ils pètent toute bagaille. Mais, la Bible dit nous que blessure mortelle, t'as là, Dieu oui. Mm-hmm. Hein? Dieu oui. Et les blessures mortelles, là, Dieu oui, ils commençaient à vivre, ils font quoi. Mais ils ont dit ça, là, nous qu'à continuer, nous qu'à voir qu'il y a une autre bête qui a sorti à sous la terre, qui a oui. Baille. Force, il vient monter. Mais avant de nous parler de bête là, nous avons activité, même bête là qui est monté dans la mer, en l'air, il essaie d'usurper le ministère Jésus-Christ dans le sanctuaire. Mais c'est ça qui est important. C'est ça important. C'est ça capital. Parce que pas oublier, le bon Dieu bat Moïse, révélation sanctuaire là, il baille maintenant des choses à faire pour le pardon des péchés en attendant Jésus-Christ qui est venu. Pour voir ta là, il rentre en place. Nous dit qu'il était initié. Et puis il tenait en bouche, il n'est pas les pieds arrogants. Il déclarait quand il permettait quand il audit du bon Dieu. Pas oublier, diable a dit, Lucifer dit, moi quand il mettait toi de moi de si et toi là, plus haut que toi le bon Dieu, et moi quand il semblable sinon plus grand passé. Ça il fait, maintenant, il prend, livre l'armée, et puis le sacrifice, mais perpétuel là, il reverse ça. Maintenant, il reverse ça. Quittez-moi d'où. Ça veut dire qu'il est remplacé et Christ en tant que médiateur. En tant que médiateur, maintenant, en tant que substitut. En tant que médiateur, puis en tant que substitut, c'est-à-dire en tant que moyen de salut. Alors, qui ça et puissance ça là mettre en place. Bête là, nous bien dit que c'est un pouvoir religieux. Oui, ça. Nous pouvons même dire politico-religieux. Politico-religieux, puisqu'il tenait le bras de l'État. Soutenu. Ça veut dire que il était qu'à déclarer tous les chrétiens hérétiques maintenant. Et puis il était qu'à commander l'État à aller châtier les chrétiens. Ensuite, ils étaient venus, ils mettaient propre l'armée. Propre l'armée. Et l'armée même était qu'à coup de répression pour contre les chrétiens. Alors, donc, maintenant. Et ce moment-là, ils venaient mettre la confession en place. Oui. Et des gens qui venaient. Confesser péché pour contrecarrer ministère Jésus dans le sanctuaire. La confession des péchés. C'est-à-dire que Jésus dit que maintenant nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste pour nous confesser. Si nous confessons nos péchés les uns les autres. Ensuite, ils mettaient de l'eau bénite. Ils mettaient la Vierge Marie, reine du ciel. Comme médiateur entre Dieu et les hommes. La Vierge Marie, pas Jésus. Ils supprimaient, ils ont changé ça. Ils ont changé aussi. Ils ont changé aussi. Moi, j'ai fait l'Eucharistie. Quittez-moi d'où. Là, moi, j'ai pitié. Moi, j'ai appliqué, moi, fait ça parce que moi, j'ai fait l'abbé. Alors, donc, moi, je comprends tout et moi, je connais ces bâtiments. Et moi, j'ai essayé. Et quand on l'a fait, tout le monde a fait un bon l'abbé. Appliquez-moi à apprendre latin. Parce qu'il ne faut pas nous oublier que pour y être trop peuple là, ils ont mis en langue, moi, je ne peux pas comprendre. Le maître qui a fait dans la langue, je ne peux pas comprendre. C'était le latin. Tiens, c'était le latin. Et puis, donc, c'est pour ça, la première phrase, Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était dit, oui, anus deus, un findolis, un peccatamundis, biserere nobis. Pardonnez-nous, Seigneur, et pardonnez-nous, et donanosis panchev, bas, amenons la paix, donanosis panchev. Et puis, il était levé l'hostia, d'accord. Au format, mille agneaux de Dieu, anus deus, qui enlève le péché du monde. Oui, Antikose, c'est toutes ces résidents-là. Et puis, là, il est levé, tout fidèle qui a couru, et il y a donc, sous mode l'hostie, c'est quoi mode, sans qu'à couler le goût, ou pas ni doit mode. Voilà donc, piège-là qui était là. On nous a avancé, l'autre bête-là qui a monté de la terre à Gratien. Donc, maintenant, il y a l'autre bête qui a sorti de la terre. Nous allons lire ça rapidement. Apocalypse 13, verset 11. Oui. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à un agneau, à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Déjà là, il y a une difficulté ici. Là. Il était qu'à exercer l'autorité de la première bête
verset 12, en sa présence, et elle faisait que toute la terre, les habitants de la terre, adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérite. Donc, ils n'ont pas à trop peur, ils savent qu'il y a une blessure mortelle. Et elle opérait un grand prodige de signes à faire descendre du feu du ciel, etc. Et elle séduisait les habitants de la terre, verset 14, et elle donnait d'opérer en la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure mortelle et qui vivait. Et il fut donné d'animer l'image de la bête afin qu'elle parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas la bête fussent tués, etc. Bien. Ici. Ça l'est à ouais, que il la bête sorti, qui t'a sorti en dit dans l'homme et c'est un pouvoir qui sortit au sein du peuple, la foule, etc. Écoute là, il sortit de la terre. Écoute là, il sortit de la terre. Ça veut dire que c'est une puissance qui a émergé dans un territoire vierge. Un territoire éthiopien, il partait jamais ni maintenant guerre, maintenant pour coloniser des peuples, pour former un foule, pour former un monde. Donc, il a tenu ça. Donc, il a tenu des particularités, c'est qu'il a tenu le libre choix d'y quoi, d'y accepter, d'y quoi, le libre choix. Et ça qui forme nouveau monde là, parce que nous les quand même c'est téléspectateurs ni en bagaille en tête, on fait le conducteur. Eh bien, pour nous savoir, nous allons aller chapitre 12. Chapitre 12, nous allons voir, les dragons ont commencé à persécuter les femmes, là, qui l'église, tous ces peuples-là. Maintenant, là, mon Dieu, voyez maintenant en aile du grand tête, parce que diable, dragon vomit de l'eau conflable pour nayer l'église là, nayer les chrétiens. Dieu, bon Dieu, vous voyez l'aile, les deux ailes du grand aigle, et puis, femme là, s'enfuit quoi, il y a dans le désert là, au-delà du désert là, puis rentrer justement dans le territoire vierge là. Et c'est donc les premiers chrétiens, maintenant, qui formaient, qui étaient bassement, en pire t'as là. Donc ça veut dire quoi, en bas les feux de la persécution, les chrétiens rivés. Là, émigré là, et là, nous avons crié, je dis, là, c'est les... Le nouveau monde. Le nouveau monde. Le nouveau monde. Mais... L'Eldorado. Oui, mais plus précisément, les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Pour qui raison, quand on dit, bête là, il était des connes qu'on a nio, et puis... Parce qu'il était capable d'où, il a accueilli, il ouvrait, des alliés, il a accueilli. Et c'est par rapport à ça, nous n'y... Grand statut de la liberté religieuse là. Ben c'est ça. En principe, c'est ça, parce que c'est le symbole de la liberté. Alors, qui manière de là, où qu'on arrive à associer corps et puis les dragons et l'autre bête là, ou bien pouvoir vous mettre corps ensemble, alors que c'est déjà en état de protestant. Donc, maintenant, ça qui veut dire que ici, la Bible dit nous comme ça. Maintenant, de toute douceur là qui était caractérisé là, l'ironie du sort, mais qui a parlé comme un dragon. Puis il parlait comme un dragon, maintenant, rivet tomber d'accord, et puis dragon, on a certaines croyances et puis certaines personnes. Alors, on a qui certaines croyances sur tomber d'accord? Eh bien, il est tombé d'accord, on a l'immortalité de l'âme. Parce que donc nous savons la doctrine catholique qu'à nous on peut prier pour les morts. On peut prier pour les morts parce que les morts ni activité. Là où la Bible dit nous clairement que là où mort ou pas ni pièce activité en les vivants. Ecclésiaste a dit nous ça. Ecclésiaste 9, il a dit nous ça. Nous pas ni pièce activité sur les vivants. Et bien donc la doctrine protestante maintenant qui a parlé de l'immortalité de l'âme après la mort, il a dit que nous encore mort mais nous pas mort. Ensuite maintenant, il y a un autre bagaille qui greffe là, ça, c'est que c'est ça nous appelle le spiritisme. Oui, le spiritisme. Donc, on croyance que le mort, après la mort, il y a un voyage qui a passé, le spiritisme. Alors, c'est là, les sœurs Fock aux États-Unis commencent par l'embattable, en l'étable, faire des bruits éthiopiques, et puis les esprits répondent nous. Et puis, ils ont développé maintenant le culte du spiritisme. Le spiritisme vini maintenant en grand de le protestantisme. Alors, donc, ils ont retrouvé quoi, Et puis, c'est qu'ils ont mis même jour d'adoration. Le premier jour de la semaine vénéré comme jour de la résurrection de Jésus, alors que la Bible qu'a dit nous, c'est le sabbat, le septième jour, qui est le jour d'adoration. Ésaïe 58, verset 13, souritiens le pied pendant le sabbat pour ne pas faire volonté en mon saint jour. C'est sur le sabbat. Oui. Alors, où est-ce qu'on a goûté et puis nous, mais nous n'y tellement bagaille pour lui. Mais maintenant, depuis ce ça a fusionné. Oui, et là, il a dit comme ça, il a fait une image à la bête. L'image là, la bête, c'est qui ça?
Donc, nous avons vu tomber sur le protestantisme. Oui, en image de apostat. La bête. Alors, donc, l'image de la bête, c'est le protestantisme apostat. Maintenant, tout le monde a essayé de dire qu'il y a différents, et puis bête là, mais il y a porté croyance bête là. Et il y a aidé maintenant à adorer le premier. Mais c'est son puissance qui est vraiment animé, puisqu'il a dit qu'il a fait prodige, qu'il a fait miracle, qu'il a fait feu descendre, etc. Exactement, exactement. Est-ce qu'elle nous a caoué certains bagages dans sa campagne? Ah si! A tellement de bagages là, tellement marché qu'il y a mis la télévision, et puis gros programme qui allait, et puis les gens qui sont venus, les gens qui ont parlé, qui ont prêché, et puis quand ils touchent les gens, les gens qui tombent à l'inverse. Or, dans la Bible, tomber à l'inverse, ce n'est pas un signe de glorification du bon Dieu. Oui, oui, moi aussi. Moi aussi, certains prêches et tibougla qui a soufflé en laissant mon nom. Exactement. Soufflé et qui a tombé. Mon nom a tombé comme ça. Mais la prédication de l'évangile, ce n'est pas pour mon tomber, ni à la renverse, souffler les mon machin. La prédication de l'évangile, c'est pour convaincre mon. Et nous, ouais, que, là, nous lisons l'Apocalypse, nous voyons que c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu qui doit pénétrer pour pousser à la repentance. Oui, alors, moi, souligne en note ici, là, sur le Libanon, et l'image de la bête. Et tu as dit comme ça, et en faisant des miracles, la bête semblable à un agneau convaincra beaucoup de gens de la véracité de ses paroles malgré leur manque d'harmonie avec les écritures. Et c'est pour ça, là, on a dit c'est mon nom. Mais pour la Bible, et puis, qui joue bon Dieu mettait pour adorer? Il a dit, normalement, c'est le sabbat. Joue pour adorer, mais pour ces autres pas qu'à adorer, eh bien non, parce que le sabbat c'était pour les juifs. Et nous qu'à adorer le jour de la résurrection. Quand est-ce que ça m'a pour adorer le jour de la résurrection? Ah, nous pas une pièce côté, mais nous qu'à fait. Alors nous, en l'eau bagaille, ils a fait. Oui. Donc nous pouvons parler bravement. Et puis vraiment convaincu. Oui. Mais par exemple, mais nous autres bagaille qui a venu, est-ce que nous pouvons parler puis autant d'audace et la moque de la bête? Et puis surtout, et puis qu'a dit comme quoi que. Bête là, ils ont quand même été coïncidés ensemble pour persécuter les enfants de Dieu. Eh bien oui, nous ça et puis ça vient aussi parce que l'histoire va dire nous qu'à dans les tiroirs ils ont mis des lois qu'il faut donner entre ces deux puissances là pour convaincre les habitants de la terre pour mettre ensemble pour adorer la bête. Donc ils ont cherché manière pour faire nous imposer nous ça. Imposer cela. Et ils disent que ou pas qu'ils ni achètent ni vendent sous panier marque. En l'élément ou, en l'élément doit tout, ou bien en l'élément. Rappelez-nous, là nous lit Apocalypse chapitre 7, nous voyons que bon Dieu a matché, gravé caractère lui, à dans Ishli qui fidèle. Mais contre façon, diable aussi, ni Ishli qui a marqué Ishli aussi. Ça veut dire que si vous voyez en l'élément doit tout, ça veut dire que même sur intellectuel, nous pas qu'à croire la croyance ou l'hygiène bête là, mais on croit faire volonté et puis l'homme. Oui. Avant nous entrer en ça, et puisque les acs arrivés, on nous lit des textes là, Apocalypse 13, verset 16-17, et puis Deutéronome 6, 4-8, pour nous les affaires, 16, marques là, les fonds, les lamayants, c'est des bagages qui ont existé. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front et sur leur main droite maintenant, et que personne ne pouvait ni acheter ni vendre, non, sans avoir la marque. La marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. La marque, le nom et le nombre de son nom. C'est un petit schéma, mon frère. Bah, c'est mon là, on l'a terre. Puis, regardez, nom blanc. Parce que, faut tout, pour comprendre nom blanc, faut tout chercher à de l'homme parler de l'époque qui était le latin. Yeah. Maintenant, et chaque chiffre-là en nom latin, ni chaque lettre-là, ni en portée numérique. Oui. Il n'y valait. Mais pour trouver valet et ces lettres-là en chiffres, ça veut dire qu'il était ni en pot pagan qui était véhiculé. Il veut dire que mon nom qui était dit, il s'est remplaçant. Il s'est remplaçant Jésus à sous la terre, vicaire du Fils de Dieu. Or, Jésus dit, moi qui ai parti, moi qui voyais, donc en consolateur des autres. C'est lui qui a représenté moi. En note de la même nature. En note de la même nature, et c'est lui qui a enseigné les autres, c'est lui qui a convaincu les autres, c'est lui qui a aidé les autres, et c'est lui qui a permis. Alors, quel monde qui dit, il c'est le vicaire et du Fils de Dieu, et puis qui m'en est quoi dit sans latin, moi bien maintenant nous parler latin. Vicaris, il est idéi. Oh, okay. D'accord, ok. Alors donc ça veut dire vicaire du Fils de Dieu, le remplaçant du officiel, remplaçant bon Dieu sur terre. Et donc sans embâche nous peut dire ça parce que les pages de l'histoire ça couché, ça pas caché, ça couché. Alors donc maintenant il y a un bail qui est intéressant. Bible a dit nous c'est chiffre c'est 666.
Man, en lettre romaine, nous essayons de chercher. Alors, oui. Là, on est 6. 6. L'homme créé le sixième jour. 6, c'est un chiffre de perfection. L'homme n'a pas offert par lui-même, c'est bon Dieu qui n'a pas offert. Oui. Et c'est la sanctification du sabbat, maintenant qui permet de mettre l'homme demeuré dans la sanctification. Right. Ok, d'accord? Très bien. Alors, donc, là, mettez trois fois 6, 6, 6. Ça veut dire, ça signifie que un homme d'homme. 6 là, c'est un chiffre d'homme. C'est imperfection. Insécurité. Alors, nombre qui multiplié, qui additionné trois fois par six, ça veut dire que insécurité totale maintenant, éternelle. Alors, jamais, au grand jamais, l'on prend six tala, on ne peut pas venir par fait. Oui. On ne peut pas venir par alors, fait. Et... même que 7, 7, c'est ce symbole-là. Perfection. 8, 8, c'est le symbole de la victoire. Là, on fait 3 fois 8, victoire définitive. 3 oui. fois 7. Perfection éternelle. Gracien, nous sommes à faire 666 là, faire couler en l'eau langue, oui. en l'eau parole, alors, et il y a un code bas. Les codes bas ont arrivé pour les produits. Il a dit c'était 666. Après, il a dit comme ça, c'est un puce qui a fouillé. Et moi, tout chrétien, même Adventiste, commence à circuler sur les réseaux sociaux. Et oui, la marque de la bête privée. Mais c'est ça la marque de la bête. Non, pas du tout. Jamais, pas du tout. Jamais, pas du tout. Maintenant, ça qui veut dire que maintenant, personne ne peut pas dire qu'il y a la marque de la bête parce que l'évangile rapproche toujours de la miséricorde. C'est important. Mais la grande persécution qui est venue au dernier moment, tout le monde a pour choisir quand il bon Dieu, sans parler d'avertir de temps d'ignorance, qui a invité tous les hommes à se repentir. Parce que maintenant, il a fixé un jour et il est venu pour porter jugement. Maintenant, il a un choix à faire. Nous ne pouvons pas dire que tu as ni banque de la bête, tu n'as pas ni. Puissance là, ou religieuse là qui a persévéré, à d'un bail. Mais il y a là qui est venu officiel et qui loi qui est sorti à d'un petit pour maintenant oublier le monde. Depuis qu'on a oublié de faire des choses, bah mon Dieu, il est bon. Gracien, nous sommes tout à l'heure qui était espéré changer le temps et la loi. Oui, nous savons qu'il y a une brèche qui fait tandis dans la loi, qui poussait maintenant et le catholicisme et romain oui. Et mettez le changement du sabbat en dimanche. Et vous avez dit ça fièrement, tout le bagaille dans le donc, dans les ça c'est le dimanche c'est Marc Pio. Le dimanche c'est Marc Pio. Et Marc, mon Dieu, c'est qui c'est ça? Sabbat. C'est sabbat. Marc, mon Dieu, a trouvé à de l'observation sabbat. Et c'est pour ça, tout à l'heure, nous allons parler prochainement en le chapitre 14, mais qu'il fait un lien étroit entre toi et le baïda. Alors donc, maintenant. Bon Dieu n'y signe, Bethlehem n'y signe. Bethlehem n'y signe. Et ça, en fond, nous allons prendre les meilleures décisions pour la vie, nous. Pour la vie, nous. Et là, on prend des décisions en fond, ou qu'on va dire quitter et puis l'homme. Très bien. Très bien. D'accord. Eh bien, Gracien, merci. Nous, c'est une lecture qui est chaude. Il n'y a tellement de bagaille pour dire. Mais nous savons que l'Apocalypse démystifié, puisque c'est une révélation. Révélation de Jésus-Christ. Et puis, nous savons que, bon Dieu, nous tout le programme est là pour dire nous qu'on s'est préparé, nous. Jésus qui a venu sauver nous. On nous prie pour nous remercier, bon Dieu. Papa Dieu, nous disons merci pour ce moment là. Nous partager par nous. Et que l'Esprit guide chacun de nous. Aidez-nous chaque jour. De reconnaître Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Et que chaque jour, pour déverser à sous nous le Saint-Esprit qui a aidé nous comprendre et que mettre en pratique la parole de là, et que nous allons venir plus meilleurs chrétiens, plus meilleurs citoyens, et gloire qui est venu pour vous tout seul, en nom Jésus. Alléluia. Amen.